Congolais panda. Oh, Congolais panda. Congolais panda. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous dans le bureau, il y a président Lombe Soukari, Lelo Toyambié, étant que donneur de leçons, tous au Lobela Likambo, tous au fêté par rapport à l'héros national Nabiso, Patrice Emery Lumumba et plus Laurent Désiré Kabila. Nous sommes les 16 aujourd'hui, demain, tous à les 17. Leçon Nini Tokoki, Biso Bajène, quoi, attiré par rapport à comment Nabango sur le plan politique. Président Lombe, bonjour. Bonjour, bonjour. Et bonne année, Naba, téléspectateurs Nioso, Eza Mbali Bosso, Naleki, na émission en Lelo. Merci d'être venu, Tolobela, héros nationaux. Et bah, laissons aux bah, jeunes, au peuple congolais, à vous retirer, Ezali Bélé. Namoukousse, Ezali, le patriotisme. Bolingwamboka, le sens du devoir. Bolingoya solo, ou etindi, bah, héros, mi baléwana, bandi makoukoufapou ya ikolo. Le premier, feu le chef de l'État, Laurent Désiré Kabila. Nazwaki chance à jouer devant hier na palais de marbre. Je crois qu'il a fait Yasuka, il y a le 17 mai ou a fait taki, on a il a ndaki na janvier ba bon qui. Congolais ont tenir nini. Kolinga Congo. Tout monde pas été ba immeuble Laurent Désiré Kabila atiki pour na yemoko. Tout monde pas été atiki ba concession minière pour na yemoko. Tout bac étant en zone avancée na rébellion, ba américain ba ko faire signer ba contrat. Sous les feux, il y a Massassi, sous les feux, sous les bombes, va faire signer le contrat dans le Lubumbashi. Mais tant qu'on a comme chef de l'État, à l'objet, tu as revisité Yango. Tu as revoir le contrat parce que c'est un rebelle. Si on a comme chef de l'État, tu fanda, tu as solo la bien. L'Amérique va silikaki, on a qui mout mala mouté. Pourquoi? On va profiter de la faiblesse ou on a avancé dans la guerre avec besoin d'armement, avec besoin d'appui militaire, avec besoin de. Il y a un peu de la guerre dans le Congo. Et Bango va profiter qui va faire signer le contrat, c'est ce qu'il avait fait. Mais une fois devenu à la tête du pays, il a dit non, to fan da to solo la mboko eza yangai ya bakoko na ngai ya bana Congo nyoso bomengo bana Congo biso nyoso to kabulango ba mindele ba inaki guerre na Bango banda wana ki mutoyo azama la mute eux voulaient avoir un valet manipulable à souhait oyo bakosa le Bango balingi atelme la kiango. Et puis, il y a des Congolais qui ont été en train de Congolais qui ont été Congo. Il y a Kabila qui ont été en train de tenir des FAP, des FAC, des policiers qui ont changé. Donc, les policiers ont été payés à 100 dollars. Les policiers ont été payés à 100 dollars. Les agents ont été payés à 100 dollars. Et ils ont été en train de faire ordre de Kotaki. Ordre de Kotaki. Ne jamais trahir le Congo. Ça, c'est la phrase magique. Il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pour qui Bisonion soit au Gardaka. Pensée pieuse, la mémoire, il y a héros national Laurent Désiré Kabila. Dans le donc, à Tonga qui pour mon côté, il y a Zala qui pour Aou, Alto Tia triomphal, Totongi, Tobong Sabo. Il a travaillé pour la nation, Natamouke, ou Batikela qui a ça là. Parce que Laurent Désiré Kabila a eu Tamingite à travailler pour le Congo. Comme comprenant qui est occidental, qui est Mouto Soto Tikiye, il va amener le Congo vers le développement, vers le nationalisme vrai et pratique. Toi empêché à travailler à Babandi c'est la guerre na est. Koto abongisamboka atonga to à ça l'effort de guerre. C'était le problème. Kabila lobaki tant ba européen ba sangisi mbongo ba pesa yé ba sal ba réforme ba institution bancaire ba habité. Nous avons d'abord besoin ya ko désenclaver mboka o. Monsieur le journaliste, j'ai eu à parcourir une bonne partie à RDC. C'est vrai qu'ils a vaste. Effectivement, ils a vaste. Effectivement, il y a des coins enclavés alors qu'ils ont produit le babilo qui est belé, mais comme on a un centre de consommation. Il ne manque que des routes, des voies d'accès, des moyens d'évacuation des produits, des moyens de circuler librement. Banzela, Ezate.
pour passer la bazamba et nongo kuna ndengenin. Au côté de Baba Fouassende, Baharu, Bamahagi, Baba Wamba, Baiziro, au tambour la ndengenin. Au Kenena Bakatako Kombe, pas de route. Pas de route. Pourquoi on a son lunda de Kenge, c'est un problème. Et Kabila a un projet de désenclaver la zone, la territoire. Merci, président. Est-ce que le combat de Moïse Laurent Désiré Kabila, le combat de la pratique de Mairie Lumumba, est une lutte? Oui, c'est une lutte, c'est défendre le Congo et les Congolais. Copé sa Congolais, le lendo naïe, bon moto naïe. Seulement, l'époque est changée. L'époque est changée. Laurent, plutôt, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre à Liboso Mboka Oyo, il y a Bunda qui Liboso contre Mindele pour tous les indépendance. C'est vrai, Bazaki Bélé, mais tout manion solide à Zangagate, il y a Zaki trop direct, Azaki ménager Mindele, et tout solo la bouille. Et Zambo Kanabiso, vous devez partir. Hiket Nunk. Donc ici et maintenant, bon libérer Yangonde, c'était ça. Yaye. Bamsou Bazaki un peu diplomate, Bangaba Kimale Malembe. Et lutte Zaika Moko, Congo est appartenir à les Congolais. Moi, le Congo a joui, il y a revenu à sol, à sol, à Mbokanaï. Parce que le lot, tous avons témoin que rien ne nous appartient. Nous voyons, Bazoya, et lui, moi, Nao, Baouti, Pakistan, Baouti, Liban, Baouti, Syrie, ce qui va bailler, Mabo, Pamba. Chez nous, ils puissent le diamant, l'or, allez, coltan, Bakoum, patron. Coltan, on a ce qu'on a, on a ça. Bah, Congolais, bah, bien honte. Diamant, banda, tout le temps, diamant des joailleries, diamant, tu es bien honte. À part que tu vas dire, ouais, ça y est. Mais même si, bah, on va t'immoler, qu'est-ce qu'on fait du diamant? Et y'a banité, t'il est long. Il fallait, bitumba, y'a bayro, wana. Diamant, tu as extrait, ah ouais, tout ça, bah, industrie à transformation. Coltan, l'élo, y'a un aussi bien économie à monde. Mais biso, bah, ordinateur, exacté, bah, téléphone, tout ça, bah, on a pris fort. Alors que, aucun téléphone ne peut être fabriqué sans l'apport du Congo. À travers ma minerai naïe coltan. Merci. Aujourd'hui, il y a des. Oui. Moi, anecdote, il y a. Sur Emery Lumumba, c'est vrai. Azamoutou. Il n'était pas parfait. Je me rappelle, dans le couloir de la conférence nationale, feu, le patriarche Albert Kalonji Ditunga avait lâché une chose. Ah, mais on applaudit chaque fois que Moulumbalouko, j'y prononce le nom de Lumumba. Mais on ne le connaît pas! Vous ne le connaissez pas, jeunes gens. Mais cet homme-là n'écoutait personne. Ah. Oui. Côté Bomoto, Ozana, Oyaye faiblesse. Omoutnio Sazanango. Mais, avoir donné sa vie, avoir accepté de verser son sang pour ce pays, il n'y a pas de commune mesure. Donc, Boulingouane et Léki, et qu'effacer Mabé Nyon, ce qu'on peut raconter sur le patriarche pour le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, il y a des années où il est qui, le 16 et puis le 17, jeunesse où il est basé sur la scène politique. Il faut retenir comme leçon par rapport à combat au héros national, la mission du Balé Babouda. Il ne faut pas que les jeunes aient interrogé l'histoire. Les jeunes qui ont en politique ont interrogé l'histoire. Les jeunes qui ont été en jeep, les députés, les sénateurs et tout ça. Il n'y a pas d'école. Dès lors que tout le monde lutte pour son nombril, pour tube digestif yaye na bananae. La nation n'existe pas. Déjà la famille, au Congo, la famille était en train de s'effriter. La notion famille, les a sous-outé. Donc nation, vous allez sous-outé. Les jeunes qui viennent en politique, je suis désolé, bazoya pour na tube digestif, pour na ko paraître, pas pour défendre. Regardez les émissions à la télé, monsieur le journaliste. Que des injures. Que des colibés. Vous ne sentez pas la grandeur, la profondeur d'un débat, d'une réflexion qui pousse le pays au développement, qui pousse le peuple congolais à vivre en communion, à vivre dans une famille nationale, dans une unité. On dirait Patrice Lumumba n'a pas vécu. On dirait que Laurent Désiré Kabila n'a pas vécu. Je suis désolé. Parce que ce qui réellement, jeune, basé au Tala, via Kondomi Balewana, on ne se serait pas laissé corrompre facilement Ndenge Salimakawa. On ne se serait pas laissé corrompre.
partout, partout où nous sommes, dans tous les domaines de notre vie, la corruption bat son plein. Or, la corruption qui gangrène notre pays, est ennemi à l'iboso, il y a développement, il y a mboka. À tous les niveaux, la corruption est devenue un mode de vie normal. Normal. C'est aberrant, inadmissible. Merci. C'était une interview. Votre dernier mot de la fin par rapport à notre interview de cet après-midi. Bien, merci. Le mot est que la mort de ces deux héros nous interpelle. Ce pays nous appartient. Ils sont morts. S'ils avaient un regard simplement limité à leur propre famille, Laurent Désiré Kabila ne serait pas mort. Il se serait contenté de signer des contrats léonins, étant donné qu'il trouvait son compte, il trouverait son compte là-bas, à Fandi Naé, famille Naé, à l'abri, à misère, à Fandi. Peu importe ce qui arriverait aux Congolais. Mais il a dit non. Mboka Oya Bisso, Bino Batboyu qui accompagnait Bisso to Longola, 32 ans et dictature Oyo. Merci Bozongi Panabino, Bisso tout fan de tout, c'est Mboka Nabisso, Babomi. Patrice Emery Lumumba, même chose. S'il avait seulement regardé sa famille. Oh, mais Angati Kakaka Mboka, Bafandi Nabango, Atika le Premier ministre ad vitam aeternam, Sili, ou bien président de la République, peut-être il aurait mis 40 ans. Mais c'est pour le bien du Congo que Bakoufaki est interpellé Bissot. Interpellé Bissot. Bao Bazan a passé le pouvoir. Bah, que ce pays, moi, dans nous, au Congo, il faut vivre dans Mboka Oyo. Où coule le lait et le miel. Mboule no kaka awa sans problème. Moye bimaka sans problème. Kasebo taka par-ci par-là. Jeune Atil Maki Namoussala. Kabila Lobaki, prenez-vous en charge. Que chacun se prenne en charge en s'auto-évaluant. Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que dans ma boucle on a ma connaissance bilingue? Qui nous sait bilingue? Donc ça la pêche t'es pour n'aller ça mille ça n'a pas et pas une angaï nazali tout ça l'ango. Donc les deux dates doivent vous interpeller. Les deux dates ils attendent tout fan à Bakouin parce que c'est férié, tout bouqué, tout fan dit non. Chaque Congolais est pris d'amour de ce pays doit se remettre en question, doit scruter le fonctionnement de la nation et la vie, l'environnement de notre vie, comment il va, et s'engager dans un changement, s'engager dans une lutte pour que chacun à son niveau contribue pour l'avènement d'un Congo meilleur. Merci. C'était le président Lombe Sukali. Toyaki, awa na katia biro, na katia cabinet, ko yamba président Lombe Sukali par rapport à des dates, le 16, le 17, et pour Pitozo, honoré, héros national Nabiso, Patrice Emery Lumumba. Et Laurent Désiré Kabila. Tout cool, tout passe et rien ne demeure. Merci. Bimboko Boko Landabiso à Congo Lipanda, Mbote Mingi Paye Bozoami, Topesi Mbote, Nabana Tui à Paris, à France, à Belgique, à Londres. Émission Nabino Yango, point de vie sur net. Toye Paye Mouan Mboka Magloire Landouya Zali Moko. Il y a acteur politique, il y a parti cher, il y a président Vital Kamerhe, Naye Toko Sola Makambo, le cas qui est le 31 décembre. Après le 31 décembre, le président de la République, Joseph Kabila, reste au pouvoir. Transition sans Kabila, échec. Est-ce que marche Wana et Simba Gitope, Simba Kité? Point de vue par rapport à la mission Bevek, pardon. Récit Tope échec. Et puis Toko Lobela, Makambo et Koleka, les 16, les 17. Par rapport à la héros national, la Bissot, Patrice Emery Lumumba et puis na Laurent Désiré Kabila. Mon amour, ma gloire, Lando Mbote. Mbote Mingindeko. Tu n'es pas dans le long de la bureau, que tu n'as pas de question, mais tout non, par rapport à marche. Oyo église catholique et ça là qui est le monde bande de opposition réussite top échec na marche wana parce que rien ne change. D'abord ils ont réussite comment on peut un échec sauf que ça que échec mais tout le monde est soldat est déployé partout déjà vers 21h à la veille bas soldat va dire si quand on va paroisse déjà il a existé moto en face ça biso à Bangaki et à côté qui déjà moi mai tout n'ingi ça qui est le jour J ça a été une réussite que ça a poussé bah force de l'ordre, notamment la police, l'armée, l'Union nationale, Sangani, Beti Massasi, Nabandara Nzambe. Ils ont réussi que Isaki réussit pour le peuple congolais. Pourquoi ils ont réussi? Parce que tous en face, il y a un dictateur. Et ils ont paniqué à tout moment quand ils ont un peuple ensemble, Baso Sangana. Pour naïe, ils ont bangé ça. Ils ont bangé ça naïe, naba lieutenant naïe. Donc, ils ont réussi, mon aîné. Tout ça qui est autre. Par rapport à quoi? Tant que moi, je suis Joseph Kabila, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des le régime, ils ont le processus. Ils ont fait tout le monde qui est le lobby, je suis en train de faire des choses. Ils ont fait tout ça, ils ont compté. Ils ont fait tout ça, ils ont fait des vases. Processus, ils ont fait des vases.
goutte nyon se zokota la vazouana, et zokonte ti vazouana, et kotonda, et kot déborde. Nde zali processus toza nan ou yako tiak enjimo yo libanda. Oyo koyeb sabiso ke réussite, pas réussite, en tout cas zali ko comprendre malam te ce qui s'est passé. Il s'est passé des choses. Mais vous avez profité, vous avez profité derrière l'église catholique? Non, mais. Ou l'opposition? Non, mais Ezali, ah, tu as la première opposition, tu as la première société civile, tu as la première. Nous avons vu sur le terrain démarche aux oppositions et 5 et 6 mites, où on est bien opposant pour profiter de la Simeglise catholique pour pas bimana balabala. Ah, tu as la première, il y a Congo. Likambo Itali Congo, Itali Batu Nyonso. Oeza Congo, Itali Batu Nyonso. Église, musicien, peintre, artiste. Batu Nyonso, maître, avocat, magistrat, tout le monde, médecin, Itali Moutou Nyonso. Même pas policier, Bango Moko. Bref, on est bango mon va policier tant que vous avez la bazoe ça biso que faites attention biso aux soutenir bino faites attention bande ko bozomo na kuna bazaba ndeko na biso te to moni ba policier ba soldat bazai ko lo banglais kagoulé na Kinshasa biso to lo banglais na mboko to lo banglais ne langue to tam musa na minoro na biso to on a beaucoup vu bino zo ba ke marche simité mais que fait pas tika biso fait pas pas ba force l'ordre pour réprimer fait pas tika biso tout temps là le peuple était déterminé comme un seul homme et le peuple est déterminé en découvre avec ce régime trop c'est trop mais bino situation zo le kalamboko bozo mon ngoté à tous les jours il y a des morts donc autre qu'il faut éviter nous vivons une gestion conjoncturelle une gouvernance conjoncturelle au nom une gouvernance structurelle et organisée non gouverner azo tout tout que inondation. Sera surtout qui bongonde basu ba précaution. Armée zaiko tiré à bout portant na ba peuple. Simple peuple zaiko tamola. Oa zai na ye marche ba chrétien bozo ba sur ba terroriste. Est-ce que muto alobe ba terroriste wana? Hein? O yibo ye bien la porte-parole à gouvernement. Est-ce que ayebi ce que c'est le terrorisme? Yé pena botou le malama, ayebi terroriste. Comment tu moi mon mboka oya zolo balelo porte-parole au gouvernement mon mboka la mère mende ato boko tanga combo mais il parle la vérité parce que le cardinal Mosion azo travaille ensemble na opposant congolais est-ce que c'est normal est-ce que d'abord la constitution de notre pays permet aux évêques de donner leur point de vue lorsque le pays va mal devant l'injustice si on s'était si on reste indifférent devant l'injustice c'est que on a choisi le camp de l'oppresseur les évêques le cardinal, tout comme les hommes de Dieu, avec tout le respect que je leur dois, ne peuvent pas rester tranquilles tant que leurs fidèles sont marginalisés. Les fidèles sont les fidèles Yabanda Nzambe, Yabande Konabiso, Owana Nyon Sotangi, cardinal, Basal Nzambe, tout. Mais tant que les fidèles ne sont pas les fidèles, ils ne sont pas les fidèles, ils ne sont pas les fidèles, insuffisance sociale. Ba fidèle ba zoya ba problème pa banganga nzambe na bango ba rolela. Nyonso za ka social, musala, nzala, garantie andaku, bana ba kende classe, tout ça là. Et vous pensez vraiment que le rôle de l'église c'est de se taire? Non, le rôle de l'église est de monter au créneau, de montrer à la classe dirigeante que musala bozay ko sala ezali malamu te. Il y a pas l'organe n'amboura na biso ou est en contact la population koleka ba église basa en contact la population le cardinal notamment qui sont aujourd'hui dans la majorité présidentielle basa pe ba membre église catholique mais soyez basa ko sala mabe sango yebisi yo to munganga nzamba yebisi ko sala mabe yo za ko persister na mabe na yo yo za ko persister botanga même na mokanda nzambe le boko ya yo soyez ko continuer le sumo o sala nini o kata yango wana lobi Yesu Kristo. Pire encore, le lobby, Moto, Azaïna Mabe, Boya Rota, la Moko, sera continué Boyemi Bale, sera continué Boyemi Sato Minei, sera beaucoup Mitano, Sambo, Zomi, tout, Azaïko continue Kaka, Boboa, Botiken, Maboko, ya Satan. C'est ça ce que fait Kabila et sa bande. Bazaïko Samara Moke, Bissoto Tiki Banga Maboko, Oyo. Ba cardinal Barolo, ba bazai banganga nzambe tant yo zai ko leka na TV o s'attaquer na banganga nzambe na ba mol roi yo zai ko loba yo ye mutlola ye wana mutuana ake yesa cardinal yakiti na carnivore nyoso ya loba ya lokuta mais l'église doit être au milieu du village mon amour ma gloire londe est-ce qu'aujourd'hui l'église catholique est au milieu du village tu sais ici que l'église ne peut pas être au milieu du village devant l'injustice pourquoi parce que c'est mais nalobi yo bazo boma mutu. Yo yé église, nga église au milieu du village. Non, condamne le mal. L'église faut être le melamabe. Je répète,
devant l'injustice, devant les abus, l'Église a le devoir de prendre la bonne position. Sinon, elle se met au camp de l'oppresseur. Kabila réprime les gens na katanda nzambe, a profané l'église ya Christ, ya catholique. N'oubliez pas que le chef de l'État est catholique aussi, même sa femme aussi est catholique. En tout cas, c'est que yepena donc ma mingi. Mais quelqu'un qui vous appelle toujours au dialogue, quelqu'un qui vous appelle toujours au dialogue, pourquoi vous l'opposition, vous marchez aujourd'hui en contrepartie aussi longtemps que publication à calendrier électoral les awana. Na lobby. Azo benga biso na dialogue. Au moni soki monta comme na rang dictateur. Dialogue pour naye. Azan a deux mots na monoko naye. Je cherche la paix. Oui, quand le cap paix les années. Obéissez à ses volontés. C'est ça la paix. Donc ce bolingi paix, hein? Obéissez à ses volontés, vous avez la paix. La quiétude. Deuxième mot naye za dialogue. Alors le cap toujours rassembler les plus grands consensus pour vu que boutique la faute naye. Biso za likam naye te. Yem tazo beta biso masasi na bandara nzambe. Yem tazo pime la biso mai na biso. Yem tazo pime la biso courant na biso. Biso to yambaka ye. Ba jeune to sepela ra ke yaza na tête amboko. Qu'est-ce qui nous a donné en retour? Rien. Le pays est en descente, en dessous de la moyenne. Le pays est na ebité na liste même ba kota ba pays so to zali. Je crois que to zate parce que même le chèque ça nous va plus. Très bien. To kiti na se makasi e boye yeb sanga ke ye aza catholique. Catholique abeta masasi na bandara nzambe. Regardez paroisse place le président vital. Pardon. Vous avez marché, l'opposition a marché hormis la décision du gouverneur de la ville propose de Kinshasa. Merci ça on a. Oui. Neko, le président national Vital Kamerhe Sambela na Saint-Michel. Nous avons reçu de lacrymogènes. Moi ici, là, j'ai des blessures. Bonito Laksangon à TV. J'ai des blessures, il y a gaz lacrymogène. J'ai versé des mensonges. Mais parce que vous n'avez pas obéi à Nalu Amboka. On n'a pas à obéir. Mais le gouverneur a passé binon. Non, bon marché, papa. Ici, c'est le régime d'information. Ce n'est pas le régime d'autorisation. Il n'a pas à nous donner une autorisation. On informe à l'autorité urbaine et nous, on marche. C'est la dernière fois que l'opposition est tambola na mboko tranquillement. Et ça qui quand? Oh, la dernière fois. Pourquoi pas l'ingi? Parce que tout le monde a clarté d'accord. Tout le monde a que Tibala, ça ne va pas. Élection, ça ne va pas. CENI, ça ne va pas. Oh, on nous a donné le calendrier. Vous savez que le calendrier contient 17 contraintes. Sont-elles déjà résolues? Nous voyons déjà comment est-ce que ces contraintes se transforment en alibi pour qu'il n'y ait pas élection le 23. Tous les décors sont plantés pour qu'il n'y ait pas élection. La situation politique est crispée. Il faut la décrisper. Mais tout ça là on voit et puis vous ne voulez pas que nous fassions même une simple marche. Parce que selon vous, l'accord est respecté. Il n'y a que eux qui croient que l'accord est respecté. La communauté internationale. Les rassemblements. Quel rassemblement? L'UNC. Quel rassemblement vous parlez? S'il vous plaît, ne blaguons pas. Oui. Je parle de questions d'État, je ne suis pas ici pour blaguer. Oui. L'UNC. Parlez de quel rassemblement? Aujourd'hui, nous avons trois rassemblements. C'est une question blague. Oui. L'UNC, l'MLC, les grands ténors de cet accord du 31 décembre, vous disent que l'accord n'est pas respecté. Donc, il n'y a que la majorité et ses débauchés qui croient que l'accord est respecté. Et nous voulons revendiquer avec les catholiques cet accord. Ben voilà, on nous tire dessus. On est tué dessus. Tozawana, tozai ko kufalikole loro moro oyo toyebiti na te toyebi ma komite. Parce que to lobby ka ke mbora la biso fi ke ndeli boso. Parce que to lobby ka ka ke le chef de l'État n'a droit qu'à deux mandats. Il a dit ça dans son interview la Jeune Afrique en 2007, qui va respecter la constitution, qui va pas tomber dans les ruses du pouvoir pour que a glisser. Mais aujourd'hui, il est là plus de 2 ans. Par rapport à quoi? Quel texte? On va vous dire que c'est la linéa 70 reste en fonction. Juste là grâce à l'accord et puis à la constitution. Mais l'accord, il a piétiné sur l'accord qui demandait les élections le 31 décembre 2017, monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait de cet accord? Pendant le 31 décembre, il fallait à l'évaluation encore topé marche église catholique non opposition. Mais dans le bien, dans le bien, que Marambo est allé au Congo, place Mboko est commis, mais il y a eu un peu de temps. Nzele ça ce soir. Nzele réalité. Ma réalité. Courez, mais dans le bien. Ma banque est à Awa, na Mimosa, na Lutendel. Mais tout ça, c'est là qu'il y a Kinshasa. Mais quelle médiocrité! Quelle médiocrité décriante et criante les deux à la fois! Mais nous sommes où là?
Et puis vous voulez que l'église se taise? Que les vaillants combattants, les vaillants nationalistes et patriotes de ce pays, tout le monde était tout embolaté. Ici, je l'ai dit, nous allons continuer à marcher jusqu'à ce que tout le monde a clair, même si ça sera en synergie ou en collaboration avec les églises, tout le monde. Parce que l'intérêt du pays est plus que l'intérêt de la société civile, de l'opposition et de la majorité présidentielle. Monseigneur Alobi. Mais c'est Moutali Bosso Alobi qui est classe politique est médiocre. Tout le monde est médiocre. Tout le monde à tout moment que la classe politique est médiocre. Les journalistes le disent. Pourquoi y a Monseigneur et Osoa? Pourquoi y a Monseigneur et Osoa? Ceux qui sont médiocres, c'est là qu'ils réagissent. Hein? Pourquoi ils se sentent piqués? Bah, Alobi n'a pas été. Et t'as dit, ils ont travaillé sur les médiocres. Kanga, ils ont continué mon salaire. Sur le lobby, c'est que ça médiocre. Et à cause de la contradiction, na bango. Mais c'est normal. Na la rose à corps, na bandeko, na nyonso bazeko sa la mboko. Hein? Une session extraordinaire pour revoir le code minier. Une session extraordinaire pour voir la loi sur le partenariat public-privé. Dans un état où vous avez les animateurs de l'état sont à la fois publics, sont à la fois privés. Bango mo baza même partenariat. Il ne donne aucune chance aux Congolais de respirer, de faire les affaires ici. Vous ne voyez pas ça dans la ville? Faire les affaires, comment est-ce que c'est compliqué ici? Partenariat public-privé, on va gagner un marché. On va gagner un marché. Tous les immeubles que vous voyez, tout ce que vous voyez, les gens, l'année là, on bien. Moi, c'est un ministre, des quoi ministre, des quoi président sénile, des quoi. Ils sont dans tout. Mais est-ce que tu es un petit cabane? Mais comment mon sengo nazo répété azala niena makambo de ko sale. Comment, qu'est-ce qui est caché dans la code minier? Oh tout monde là. Bon. Vous savez que na kata budget na biso l'Angola vit du pétrole et du diamant. Ne ça l'Angola biso soto we la ba Congolais nyo soto we l'Angola le kola pétrole na diamant. Biso soto na nyo so. Oh. Matière na ngoza na Congo. Talasco de pied banda. Combien c'est salement? Congo est gagné à combien? On est tenté de nager dans des budgets de 4 milliards. Exécution, c'est 62%, 60%. Dans tout ça, Nabaïna, une affaire, c'est pas moins de 2 milliards 200. Congo est vivant à 2 milliards 200. Tandis que fortune estimée, il y a avoir gelé, il y a Ndeko Dan, Derclerc, à travers la présidente de la République. Il doit avoir une fortune sur les analyses estimée à 6 milliards. Donc lui seul, Dan, vaut 3 fois l'argent du Congo. Et ça, vous voulez que l'église s'éteigne? Ça, vous voulez que Bissoto le batte? Non. Non, 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 non. En tout cas, tout le monde. Merci. Mon amour, ma gloire, Landou. Le 31 décembre, l'équipe marche opposition pays salami. Bon, le bibino ou opposant pour qu'on ait marche en marche. Mais rien ne change. Le président de la République est là. Comment le peuple congolais a coco vivre dans période haute? Tout bien un régime spécial, toute transition, il y a combien d'années? Till le 23 décembre 2018, till l'élection au Salem. Et là, d'abord, faut le bas, peuple, il faut à télémaïe mon coup. Peuple, il faut à destin. Tu sais ce qui se passe? Le peuple, c'est la ligne. Élection, taux destin, taux révolution, il y a beaucoup de ma peuple. Et la révolution, pourquoi tu mets ma révolution? Mais quand on met les articles dans la Constitution, l'article 64, c'est quoi? C'est une révolution. Donc, la Constitution a prévu une révolution. Nous parlons de l'article 64. Nous ne parlons pas de choses... Quel linéaire? Les deux, messieurs les journalistes. Nous parlons de l'article 64. Le peuple a tellement... Conformément à l'article 64, nous avons dit peuple a biman les bandes de la Constitution. Conformément à l'article 74, le peuple a tellement à l'ambition solidaire. Au bas de vivre, on ne sait pas qualifier ça. Dans le bien, sur base de quel texte de Rokabilaza ce soir, non? Sur base de quoi? Parce que tout ce qu'on peut à Sali Sensanaye. À Sali Sensanaye. Il n'y a pas qu'il y ait un accord et comment il y a une élection de Salamité tripartite au Salim. Oui, bien. Quand même, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour créer un rabot.
Oyo ezarata na bureau te. Sincère na bureau wapi? Le bureau n'a pas. Oh, bino bolé, la gati le quoi? C'est ça. Oh, INC, le la gati, c'est quoi le quoi? Parce que bino a monté des candés matin à monter. N'importe quoi. Oui. Oh, j'adore. INC, le la, c'est ça. Oh, manœuvré par. Oh, mina, qu'on a qu'on va vendre ses bisous. Jamais. Mais vous avez signé l'arrangement particulier, vous, l'INC. Mais la raison, quelle est la linéa ou l'article que vous avez trouvé mauvais dans l'arrangement particulier? Vous êtes journaliste. C'est apportez, moi qui pose des questions. Apportez les documents. Dites-moi que c'est aligné. Voilà. Prenez les questions des auditeurs. Prenez plutôt les questions des téléspectateurs. OK? Prenez les questions. Bah, il y a un arrangement particulier. Le fait de signer l'arrangement particulier n'a rien changé dans l'autre qui n'a ça. Non. Merci. N'a rien changé. Le 16, le 17, ils ont journé au Toto célébré. Bah, héros national, Nabisso, Patrice Emery Lumumba. Et puis Laurent Désiré Kabila. Vous êtes acteur politique, jeune, où est le long de la scène politique à Congo. Comment Ogoki Kosala, le long analyse, il y a combat, il y a le héros national Mibaleo. D'abord, ce sont de vaillants soldats. Bolingo, Batata, Mibale, Bazaï, Nampo, Namboko. Ce qui est aujourd'hui, Batabon, Bata 5, en 2 ans, 1 année, Congo, Torotelement, face au grand, Torzon, en approche, en abyssant l'Afrique. Dans 5 ans, ton zon a la position ma casse dans le monde. Ça, je vous dis la vérité. Obanina Patrice Emery Lumumba, à son âge, à son jeune âge, a bandaille déjà, Koutia, Régie, plutôt, Colon, Pema, Milici Bango, Pema pour que tout soit indépendance. A Sengaki la justice, l'égalité entre les Belges et les autochtones que nous étions, nous, les Congolais. Batouana, Aye, Apoussani, Tina nenga kufi, ti bate na side, ti atikali minu apamba, ou ezaraka. En tout cas, ce sont des héros. Lumumba est un héros. Kabila est un esprit, tout comme Lumumba en état. Kabila est à côté, ati libiso, dictateur, mopandi. Amérique ou tia ordre, c'est vrai. On peut tout dire sur le plan politique. Yamabe à Kabila, sur le plan politique. Il y a les pères sur les plans politiques. Bah, Toro Lobaka, suspendant qui va Nini, va parti politique. Bah, Toro Banini. Il n'était pas un bon gestionnaire. Mais au moins, Nabane à Salaki, les Congolais, 70%, bah, Kota qui est très bien. Bah, c'est que tout va qui, tout liaki, soldats qui 100 dollars, c'était le minimum. Et puis, tout ça là qui, fier d'être Congolais. Non, moi je me souviens encore que tu auras 3e place à Cannes en 98 avec Mouzé, c'était de la fête. Donc Babi et Zalaki, mais en tout cas c'était des gens dont on ne peut pas reprocher l'amour la patrie la mission. Par exemple, par la mission jeunesse, pas par Cambignon chez Mboko. Bah tout le land d'abord comme exemple et moi je médite fortement là-bas bah journée voilà. Tout aussi dans la chef de l'État en place. Ouazali hors mandat. Oiseau Kamba sur, je ne sais pas par défi. Alanda exemple, il y a Papa Yaye. Papa Yaye a qui moto à l'inga qui moko. Pourquoi c'est Yakanga mina place wana, ni nizole kawana. Ben tere ni niza wana. Oyo na âge. On sont reconnus dans la constitution. Na âge na ye, Azali jeune, le rôle abissou. Mais le bâti on peut na Congo déjà qui m'en sort reconnu dans la constitution. On a 5 ans dans la constitution. 5 ans. Et aujourd'hui. On attend les élections. Depuis, le peuple attend les élections. Non, la rie. Constitution et lobby, il faut la belle élection. Aligné, il y a des phrases dans la constitution. Mais bien, on a conseillé, c'est Mandeza, Mboulami, Tal. Ce qui est Koki, Kende. Merci. Madame Boga Magla Orlando, un mot de la fin par rapport à Mboga Nyonso Tubalandi Olelo. Par rapport à Bande Konyonso, sur la diaspora, na Kinshasa, Bande Konyonso partout. Bon, il a été Bissou Awa, c'est au Télémi. Bande kwa Kinshasa, bo telema. Bo zala... Bo telemi si m'église catholique. Na simate, ke soit simani toro telema. Parce que bino moro le lo force zale soute. Bande papa tiseke da kena force zale soute. Qui peut dire aujourd'hui à l'opposition? Ke soit... Qui peut aujourd'hui dire un mot et peut peuple à l'opposition? Tozan là bas, non mais... Tozan là bas, grand leader. Biso en ce qui concerne l'UNC, on peut paralyser l'Est. Comme dans la province orientale, tiki ta la katanga. On peut paralyser. Bandeko Baza, l'UDP c'est fort à l'ouest, tout comme l'MLC au centre et tout. Ensemble, trop paralysé que pouvoir sentir que tous allés. Ceux qui, chrétiens, catholiques, laïcs, lobby, qui passent la marche, mais surtout tout ces bons, c'est parce qu'on se surpasse. Pourquoi tout le monde est égoïste dans le réseau catholique, tout côté? Non.
Pourquoi ça va partir politique tout côté? Non, ah toujours bon de la nini. Ça dépend de l'objet. L'objet n'a plus ses années. Pourquoi ça n'était pas leader à l'église politique? Il y a l'église des rebelles, monsieur. Baboy macho, vous ne vous savez pas. Il y a un peu baboy libanwa qui est proto. Parce que ce sont des corrompus. Il y a un peu bandeau proto, peu baboy si bamba ya sauté. Ce sont des corrompus. Comment ils se trouvent normal? Ce sont des millionnaires. Ici, nous avons des pasteurs qui sont là, des fidèles qui sont en dessous de la table, en termes de moyens financiers. Ils gagnent ça où? Ils prophétisent des faussetés, ils disent des faussetés. Bah, tout ça, c'est pour insensible à peuple. Et peuple, on peut s'arrêter en bon. C'est pour cela que l'on a dit peuple a tellement. Parce que abouti le peuple, il y a soit au sala, il y a soit au ya, il y a soit au sala. Donc, ce n'est pas normal. Il y a un peu de tellement la bango. Donc, tout le lobby, peuple congolais, bandeko angaï, tout revendiqué, conformément à l'article 64. Pouvoir eux, ils ont la volonté d'organiser les élections. Le roi, ils ont la volonté d'organiser les élections. Il faut presser ça les mains pour que ça l'aille. Ce qui était, il y a un libanda, il faut aussi organiser les élections après. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était Magloire Landoua Chaud dans son bureau pour après sa analyse par rapport au journal du 31 décembre. À l'obélibisso marche à opposition et salagine église catholique. À l'obélibisso par rapport à Bayron National, à Patrice Emery Lumumba et puis Laurent Désiré Kabila. À Pessi Vision aye, par rapport à l'évolution en Mbokanenge Kokende. La démocratie, et ça permettre à Bissot que tout Congolais a pèse à Bissot point de vue naye, à ce qui concerne sur le plan politique, social et puis économique. Nous, c'est la grande télé, télé Lipanda, de Pessi Mbote, Nadjimi Adjo qui place à Saline à France, de Pessi Mbote, Nabe Mbokane, de toi, il y a diaspora. Awa peuple congolais a causé l'élection. Awa pe makamboe go tambo la mbilinga mbilinga. Parce que toi na day national a deux jours. Mboule betagi na Kinshasa le 3. Na le 4 na boutou na ngo ba imbo kaba koufaki. Ka plus de 41 morts. Yango toi na day national. Ciao. Ba imbo ka bo mesana kolanda biso na Congo Lipanda. Toye lelo e pa ya mwana mbo ka bienveni bambali na Katia Biro. Toye kotou na emituna par rapport ya évolution ya situation politique na Katia mbo ka na biso. E pa ywapi. To mouna ki le 31 décembre marche. Oyo ba imbo ka opposition ba tombo la ki. E longo na ba évêque me la police. Et contre Kalaki Bango na Katia ville province à Kinshasa et na ba province msusu ya mbo ka République démocratique du Congo. Awa to kolba boye. Toza na 10 jours ya day national. Drapeau et komatate. Na boutou ya le 3, na le 4, ba peuple congolais 41, ba koufaki na mboula wana, toko tout na mitou na pa mon ambo ka bienveni bambale, ako pesa biso biyano, par rapport ya contradiction, to pe conflit ko sa la malelo, entre mon ambo ka, monseigneur Mosengo pena ba imbo ka moussousu ya majorité présidentielle, et puis président bienveni bambale ako lobe la lelo, li kamou est allé le 16 janvier, le 17 janvier, par rapport Nenge biso na Congo to célébrer la fête ya Bayron National na biso Patrice Emery Lumumba pena Laurent Désiré Kabila. Le président bienvenu Bambale, bonjour. Bonjour Billy. Toye le lepa na yo après le 31 décembre to sala ki grande grande émission peuple congolais tout na ki ba question belé o pesa ki pe ba piste de solution o loba ki opposition wana ndenge bazali wana bazangi stratégie bazangi ba argument et puis ndenge baza wana soki ba sali mutu makasité mwana mboka Joseph Kabila kabangi ya kotika na pouvoir. L'équipe le 31 décembre, le président de la République est bel et bien en place. Institution président de la République, ça on est le remonté échangé. Échec, top et réussite. N'engambo ba opposant, moi n'amboka bienvenu Bambali. En tout cas, Billy, il faut appeler un chat un chat. Moi, tant que j'irai l'homme visionnaire, l'homme du terrain, j'avais dit depuis longtemps, même à l'époque que papa Tshisekedi était vivant, paix à son âme, que ce pouvoir en place est un pouvoir qui est arrivé au Congo par de bottes à caoutchouc. Donc ces gens-là, ils écoutent que. Cette communication. Aujourd'hui, nous combattants de la faux passée, quand papa nous a demandé d'aller dialoguer avec eux, j'avais dit non. Puisqu'en allant dialoguant avec M. Kabila, je savais déjà qu'à la base, on doit être dipé. On doit. Pas on devait. Parce que lui, dans sa tête, n'a pas la vision de pacifier le pays, je dirais, simplement. Donc, il a voulu dialoguer avec les gens pour conforter sa position. Donc, suite à cela, je n'ai pas voulu aller dialoguer. Ils sont allés dialoguer, mais à la fin, ils se sont fait dipper. Et maintenant, là, la date du 31 décembre qui est arrivée, tout le monde chantait. Donc, le 31 décembre, c'était la fin des Kabila. Tous ces grands partis pignon sur rue, ils ont fait des menaces en l'air, des chantages. Il y en a qui ont dit, le 31 Kabila n'est pas parti, ils arrêtent la politique. Il y en a qui ont dit, il faut qu'ils marchent sur leur cadavre. Il y en a qui ont dit, il faut que je ne sais pas quoi. De tous les grands leaders connus de notre pays, on peut citer leur nom, INC, MLC, IDPS. Ils ont tous posé des actions disant que oui, le 31 décembre, c'est la fin des Kabila. Alors, quand on voit leurs actions avant ces dates-là, ils ont fait des actions, mais qui étaient molles. Donc, ils n'ont pas vraiment donné
l'impression que le 31 décembre, ça pourrait avoir, je dirais, les chaos. Au passage, je peux encore remercier, je dirais, les hommes de Dieu, des évêques, pour cette action du 31 décembre. Malgré, entre parenthèses, pour ma part, on ne devait pas poser César des actions à ces dates-là. Le 31 décembre, c'était la dernière date où on devait faire un assaut final pour finir avec le pouvoir de Kabila. Alors j'ai vu les gens qui ont lancé des actions pour la date finale, mais pour aller, je dirais, protester, pour revendiquer quelque chose. En sachant que quand vous revendiquez quelque chose à cette date, le 31 décembre, ça veut dire que vous protestez, vous réclamez réparation, mais le lendemain, vous devez encore retourner au table, vraiment à la table, pour dialoguer avec la même personne. Ça veut dire que votre réclamation, votre protestation mène à rien. Alors plutôt, vous devez porter une action, ce qu'on appelle un assaut final, pour en finir avec le pouvoir à ces dates-là. Moi, j'ai vu les grands leaders de notre pays à Paris, voir Katumbi, Kamere, Félix, tout ce monde-là. Donc, j'ai vu, quand j'ai vu ces photos-là, je me suis dit, dans ces cas, ils n'ont fait la force, ils se sont unis. Je pense que le 31 décembre, tous les cartons mis, j'irai en place pour que ce soit l'assaut final. Je m'entendais à ça. Maintenant, je vois l'assaut final qui se transforme à soi-disant un dialogue où nous allons marcher pour demander le respect de l'accord, demander la décrispation. Mais je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? C'est n'importe quoi. C'est pas le 31 décembre que vous allez demander le respect de l'accord. Vous devez chasser Kabila, comme vous avez dit. Alors, pendant toute une année, vous ne voulez pas chasser. Le dernier jour où il doit partir, au lieu de les chasser, vous allez protester pour réclamer un soi-disant respect de l'accord, décrispation, pour que le lendemain, Kabila continue. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, moi, étant que visionnaire, qui comprend des choses, je ne suis pas allé marcher, bêtement, parce qu'il ne comprend pas, aller marcher pour protester et le lendemain, Kabila. Le 31 décembre, bienvenue Bamba la Bimeli Bandate. Je suis dormi chez moi, je fais mon. Fuite politique, fuite politique. Mon cher ami, si tu penses à cela, tu te trompes. Je suis l'homme des terrains. Mais je ne suis pas sorti, puisque. En allant marchant, comme je dis, je veux me répéter, pour protester le respect de l'accord, pour que le lendemain, vous allez encore dialoguer, ce n'est pas ce qui était prévu. J'aurais voulu que ces grands leaders, avec Pignon sur Ruiz, avaient dit, nous sortons pour chasser Kabila. On assume le mot chasser. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Il y en a un qui se met devant comme un général qui assume des responsabilités. Mais je n'ai pas vu un qui apporte cette responsabilité. Ils se sont tous cachés derrière les églises. Nous, nous allons marcher pacifiquement. Mais pacifiquement, c'est très bien. Kabila ne partira pas. En paix, Kabila ne partira pas. Il ne partira pas, monsieur. J'assume. Ah, selon vous. Monsieur, je m'assume. Avec vos marches pacifiques, vous ne mortes, Kabila ne partira pas. Je suis à Kinshasa, je ne me suis pas caché. Donc, vous pouvez faire vos vues mortes tous les jours, vos marches pacifiques, Kabila ne partira pas avec ça. Et si vous n'avez pas changé de stratégie, je dormirai chez moi. Le jour où vous voulez changer de stratégie, en disant que oui, nous allons les chercher. Monsieur, je viens avec vous. Président Bambalé, marche Leki, président de la République, Azar Kakawana, à l'obi, le quoi la publication en calendrier électoral et c'est Salama qui tose l'élection. Échec, ton récit pour l'opposition. Mais c'est une foutue à l'avant. C'est un peu, on appelle ça bâton et carotte. On vous balance devant, je dirais, un calendrier entre parenthèses, mais qui sont faits avec beaucoup des écailles. Ce calendrier dit rien, c'est du vent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce calendrier n'a bien dit, si j'ai ça, ça et ça et ça, je vous ferai élection. Mais si je n'ai pas ça et ça et ça, je ne vous ferai pas élection. Donc déjà, c'est une foutue à l'avance. Alors, tout ce que lui a réclamé dans sa demande, là, de l'autre côté, ils ne sont pas prêts à le donner pour qu'il y ait élection. Il a demandé des choses. C'est quoi? L'art de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Alors, le Congo a dit, il pourra financer tout seul ses élections. Mais c'est la folie. Notre budget national, il a 4 milliards pour 80 millions d'habitants. La MONUSCO, avec 22 000 hommes, nos gardiens, ils ont un budget de 13 milliards, trois fois plus que notre budget. Pour les élections, tu vas la demande à 8 milliards pour faire les élections. Double, dans le deux budget de notre pays. Donc, c'est-à-dire que élection au Congo, monsieur Rami, on n'aura pas. FMI, Banque mondiale, ils vous donnent l'argent s'il y a droit des regards. Je suis de l'école de commerce. On ne vous donne pas l'argent si vous n'avez pas montré un business plan. Le peuple congolais bosse en élection. Monsieur, élection de Kabila bosse en langue. Puisque, au pire des cas,
il faut qu'il trouve d'abord le temps. Il faut qu'il tue le temps. Merci. Cette année-là, il n'y a pas élection. Oui. Ni l'année prochaine. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre dans les coulisses que la majorité présidentielle a récupéré Kyungu Akumwanza. C'est lui qui va remplacer Bruno Tshibala. Votre point de vue. Le rassemblement aujourd'hui trompe le peuple congolais, vrai ou faux? Non, je pense même pas seulement du rassemblement. Les opposants congolais, ils ont plus la constance. C'est vrai. Le peuple congolais a vraiment été frappé de la famine. Ils ont faim. Ils ont 10 femmes et 50 enfants. Vous voulez qu'ils fassent comment? Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils nourrissent tous ces masses malades. Donc, vous savez, aujourd'hui, pour tuer tout un peuple, c'est simple. Hein? Ils ont confisqué les savoirs. Il n'y a pas d'université. Ils ont confisqué le travail. Quand vous travaillez, vous, Billy, licencié que vous êtes, je ne sais pas quoi, votre salaire de base, le huissier ne passera pas $300. Donc, avec votre diplôme de licence, je ne sais pas quoi, mais vous ne valez rien dans votre pays. Donc, tôt ou tard, pour rester honnête dans ce pays-là, c'est impossible. Donc, vous allez céder. Donc, les gens qui cèdent à la corruption, puisque c'est la famine, ils ont 10 enfants et 50 femmes. Pour ne pas céder au Congo, il faut peut-être être quelqu'un de constance qui a une seule femme et deux enfants à la maison. Mais quand tu en as 4, 5, 6 au Congo, mais tu peux pas te dire. Moi, ça fait 20 mois que je suis là, je vois les difficultés au Congo pour vivre. Moi tout seul, je n'ai pas de femmes ici, pas d'enfants. C'est difficile. Maintenant, c'est qu'ils en ont 3, 4, 5, 6. Je peux comprendre qu'ils cèdent puisqu'ils n'ont pas la maîtrise, peut-être de résister à la tentation. Donc, les Kouinwa Kungo, le Olengako, le Tshibala, ce sont vraiment, pour ma part, des petits pions qui ont eu faim. Je ne peux pas vraiment les tuer, mais de toute façon, et même se sont fait tuer Kabila aujourd'hui, ils l'utilisent pour leur bon sens. Merci, Président. Aujourd'hui, le cardinal Mossengo rentre en contradiction avec les acteurs politiques de notre pays, notamment celle de la majorité présidentielle, lorsqu'il dit tout haut que nous devons mettre à l'écart le médiocre et puis donner la place aujourd'hui aux valeurs. Votre analyse d'abord par rapport aux propos du cardinal Laurent Mossengo. Mais moi, j'aurais voulu plutôt rectifier. Quand on parle de médiocrité, ce n'est pas une insulte, c'est l'évaluation. Vous comprenez? À l'école, il y en a qui ont des pourcentages, 20%, 30%, 50%, c'est l'évaluation. Quand on parle de médiocrité, c'est pas seulement dans un cas. Parce qu'aujourd'hui, la médiocrité, il y en a aussi dans l'opposition et puis dans la majorité. Kabila lui-même avait dit, la fois passée, il nous manque 15 bonnes personnes pour diriger un pays. Le chef d'État qui dit, il lui fallait 15 personnes. Alors un gouvernement, il y a plus de 60 ministres. Alors, selon lui, il n'a pas 15 personnes de bonne foi, des gens de juste valeur, juste droit, pour gouverner avec lui. Alors quand Mossengo dit des gens médiocres, il n'a pas insulté, il a fait l'évaluation. Aujourd'hui, quand on voit aussi dans l'opposition, il y a déjà médiocres. Il y a des gens médiocres, oui. Également c'est dans la majorité. Mm. Quand Kabila vous dit, monsieur, venez travailler avec moi, vous savez qu'il est hors mandat. Mais toi, tu as faim, tu es avec lui, pourquoi? Parce que tu as faim. Non, c'est la médiocrité. Tous ceux qui sont suivis aujourd'hui là, au niveau du premier dialogue de l'OIA, c'est la médiocrité. Ceux qui ont suivi aller au dialogue pour avoir des postes, c'est la médiocrité. Aujourd'hui, le gouvernement de Tshibala, c'est également pareil. Donc, le Congolais est frappé par la famine. C'est fait sciemment. Ça fait vraiment que je suis là, j'ai fait l'analyse. Vous savez, une ventre enfermée n'a pas de point d'oreille. Celui qui a faim ne comprend pas. Le Congolais, quand il se lève le matin, d'abord, première chose, il réfléchit par les ventres et non par le cerveau. Quand l'homme commence à réfléchir dans son ventre, c'est fini, il voit plus loin. Alors, on doit d'abord réfléchir par le cerveau. On nous a appris à croire et non pas à réfléchir. Et les Congolais croient, mais ils ne réfléchissent pas. On se lève le matin dans Rolianini. Alors, il faut d'abord penser, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux concrétiser et réaliser? Donc, la médiocrité, il y en a partout. Donc, dans l'opposition, j'assume également dans le pouvoir en place. Mais malheureusement, le peuple congolais a faim. Merci, Président. Le 16 et le 17, nous célébrons la fête de nos deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Quelles leçons à tirer aujourd'hui par rapport à leur combat? Surtout, nous les jeunes qui aspirent demain à faire la politique. Moi, je pense que je peux argumenter pour Lumumba, parce que Lumumba aujourd'hui a porté un combat qui a montré un peu son sens. Sa bravoure, je dirais, sa franchise, qui a fait qu'aujourd'hui, on a peut-être eu l'indépendance rapidement, parce que c'était un homme qui ne marchait pas les mots. Mais aujourd'hui, je me plains, parce qu'aujourd'hui, le combat de Lumumba est tombé à l'eau. La jeunesse congolaise ne suit pas. On parle de Lumumba, notre héros national, mais dans les concrets, je ne vois pas les jeunes congolais être prêts à prendre des risques comme cet homme-là. Aujourd'hui, quand on voit dans notre pays, tout le monde sur le Facebook est contre Kabila. Tout le monde voit qu'il dégage. Mais dans la concrétisation, dans,
Donc, dans les concrets, qui est prêt à faire quoi? Vous voulez tous qu'il l'appart, mais en restant chez vous, dans vos claviers. Alors, vous n'êtes pas prêt à se réunir ensemble pour poser les actions. Donc, le Congo aujourd'hui est frappé d'une maladie qu'on appelle la peur. Vous voulez un changement, vous n'êtes pas prêt à aller faire un saut dans le vide. Celui qui ne reste rien n'a rien. Alors, vous voulez essayer de gagner de l'argent, mais sans travailler. Donc, le Congo aujourd'hui, la paresse, la peur. Le monde n'a pas eu peur, il s'est sacrifié. Quand on voit aujourd'hui tous les jeunes Congolais voulaient être bien sapés, tous les soirs les ngandas sont pleins, les filles, les femmes, les chéris, mais le pays, le Congo, qui est votre géré et ressource, vous ne regardez même pas, on vous pille le pays, on vous pille le Congo, les jeunes Congolais, c'est même pas courant. Nous sommes dans le pays le plus riche au monde en matière minérée, mais les jeunes Congolais, quand on pose la question, même le nombre de minéraux que nous avons au Congo, il y a des jeunes qui sont aujourd'hui gradués, qui ne connaissent même pas. Ils sont là dans leur cycle, IFASIC, IBTP, mais à la finalité, ils n'ont pas de travail. Alors on doit peut-être se rentrer à nous-mêmes, voir le Congo, à quoi le Congo a besoin de quoi. Nous puissions d'abord comprendre qui nous sommes, ce qu'il y a chez nous, pour peut-être demain réclamer, reprendre notre leadership, prendre notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, notre richesse entre les mains des expatriés. Comment voulez-vous demain gagner quoi que ce soit? Nous sommes chez nous, nous sommes pauvres. Nous dépendons des autres. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous faisons sont exportés. Nous ne produisons rien. Donc Lumumba, il est mort, mais je sa mort pour ma part. Je ne vois pas que les gens qui se revendiquent réellement en vrai, le combat de Lumumba, qui sont prêts aujourd'hui à aller risquer pour chasser l'occupation, qui sont prêts aujourd'hui à se battre pour aujourd'hui peut-être pour un état des droits. Non, les Congolais, ils veulent mener un combat, mais malheureusement, ces combats-là, derrière le PC, derrière le Facebook, mais dans les concrétisations, il n'y a pas juste bien dans le pourparler inutilement. Merci. Alors maintenant, pour Laurent Désiré Kabila, ces messieurs, paix à son âme, on peut l'appeler comme ça, mais malheureusement, ça, j'irai pour ma part, sa libération nous a coûté cher. Laurent Désiré Kabila, il est venu vraiment nous libérer d'un seul homme, à l'époque, notre dictateur Mobutu. Mobutu était tout seul, qui dictait tout un pays, tout seul. Mais Laurent Désiré Kabila nous a libéré de Mobutu, mais au passage, pour nous livrer à tous ses amis, j'irai voisins, à qui il a ramené ici. Le Congo a été libéré de Mobutu pour être vendu, livré à d'autres états voraces qui nous pillent, le Rwanda, Ouganda, Tanzanie aujourd'hui, qui pillent notre pays, puisque c'est grâce à Mouzé qu'ils sont rentrés ici. Moi je me dis, la révolution de Mouzé, ça a été pour ma part une grande escroquerie. On a été libéré mais vendu au passage. Quand on voit aujourd'hui les prix à payer pour ces libérations, s'il faut revoir, j'aurais voulu dire à Mouzé qu'il fasse la libération avec les fils du pays. Mais lui, il était le seul à la tête de ces révolutions. Mais tout ce qui est derrière, c'était les étrangers. La preuve est qu'on a eu dans notre pays un chef d'état-major, un James Cabaret, qui était rwandais. Donc, sachant que le Congo, nous ne sommes pas un pays panafricaniste, même si je le suis aujourd'hui, mais ce n'était pas prévu que demain, on pourrait avoir un chef d'état-major rwandais. Donc, ces libérations aujourd'hui, mis à part aujourd'hui le problème des enfants soldats que lui, il a ramené dans son mouvement, il y a beaucoup des impairs. Mais on peut le considérer comme notre héros national, mais au passage, ces libérations, aujourd'hui, on paye cher. Depuis que Afdel est rentré au pays, quand on voit Est, Ben, ça fait 15 ans qu'on tue nos femmes, on viole. On n'arrive pas à stabiliser. C'est qui sont aujourd'hui nos bourreaux? Ce sont des gens qui ont rentré avec Mouzé à l'époque. Quand on voit aujourd'hui Kassai, ils montent toutes pièces, c'est quoi? Donc, les gens qui ont accompagné Mouzé aujourd'hui, c'est eux qui continuent à nous endeuiller. Donc, pour moi, la révolution de Mosée, c'est très bien, mais c'est cher payé. Ça, j'en vais plus. Merci. Votre mot de la fin par rapport à l'avenir de notre beau pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, mes chers compatriotes, les jeunes gens, j'aurais voulu vous attirer votre attention. Aujourd'hui, le peuple est sans espoir. Non, laissez-moi finir. Nos grands partis, j'aurais voulu que les Congolais voient. Parce que tout Congolais porte les espoirs à tous ces grands partis qui ont pignon sur eux. On peut citer leurs noms, UDPS, MLC, INC. Ils étaient sûrs que le 31 décembre, tous ces grands partis devaient chasser Kabila. Tous ces grands hommes, Kamere, Félix, Katumbi, Mama Bazembe, toutes ces grandes personnes devaient chasser Kabila. Mais malheureusement, le 31 est passé, Kabila n'est pas parti. Donc, il faut que la jeunesse comprenne qu'aujourd'hui, tous ces grands partis, aujourd'hui, c'est qu'est du vent. C'est-à-dire quoi? Où ils sont dans l'incapacité de chasser Kabila, ou ils sont dans la complicité. Parce que Kabila n'est pas parti. Donc moi, j'ai
J'appelle aujourd'hui la jeunesse congolaise à s'émanciper de tous ces grands partis, à tous ces grands hommes soi-disant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu leur incapacité. Kabila n'est pas parti. J'ai vu les gens à Paris, une grande réunion de grandes puissances. Ceux qui sont riches, ceux qui ont hérité un nom, ceux qui ont la notoriété, tous se réunir. Mais Kabila n'est pas parti. Là, je me dis, celui qui a l'argent, il est là. Celui qui a un nom de famille, il est là. Celui qui a la notoriété, il est là. Mais tous ensemble, Kabila n'est pas parti. Ça veut dire quoi? Votre union, c'était pourquoi? La date finale, quand vous devez donner l'assaut final, vous l'avez transformé à une marche de protestation. Je vais protester pour demain, je tends la main. Donc vous devenez des faibles. Alors, pour ma part, la jeunesse congolaise, on doit s'émanciper de tous ces grands partis, de tous ces grands temps, parce qu'aujourd'hui, ils ont montré leur insuffisance. Il faut que maintenant la jeunesse puisse se concrétiser eux-mêmes, se constituer vraiment une nouvelle leadership par nous-mêmes. Nous, on a la solution. On peut chasser Kabila. Comment? On sait le faire. Mmh. Sans élection? La loi, la constitution nous permet de le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas de mains liées. Malheureusement, tous ces grands hommes que j'ai cités, ils étaient indécis. Peut-être qu'ils manquaient des stratégies. Regardez, depuis toute une année que je suis resté là, les mêmes stratégies qui, à chaque fois, marche, ville morte, avec tout le flirt à chaque fois. Donc, s'ils ne changent pas les stratégies, Kabila peut rester encore 50 ans au Congo. On ne peut pas rester pacifique toute sa vie. Je ne suis pas pacifiste. Hein. Voilà, je suis celui, vous me frappez là, je vous frappe aussi de l'autre côté. Donc, j'aurais voulu demain que la jeunesse congolaise puisse se réveiller, émanciper, prise de conscience et le courage. Moi, j'enseigne trois choses. Donc, éveil, Kolam Sabatou, prise de conscience, qui je suis, l'équipe Moutou, le courage d'agir et de faire. Malheureusement, c'est trois choses que moi j'enseigne. Dans toutes ces parties-là, on n'en parle pas. On veut que les gens soient comme au paradis. Zamba Rosal, Dieu va faire, mais Dieu ne descendra pas pour nous. Si nous n'allons pas chercher les choses nous-mêmes, on crèvera de faim. Kabila restera là. Donc nous, la jeunesse, sommes la réponse à Kabila. Mais tant comme les grands, ils ont échoué, nous maintenant, le petit, qui est tout le monde dit des petits, on peut le faire. Donc maintenant, moi, j'appelle un rassemblement de jeunes qui sont prêts pour le changement, qui sont prêts à franchir les lignes interdites. Là, on pourra faire le boulot. Merci, Président. Merci à vous, monsieur. C'était le président Bienvenu Bambalé, à chaud, dans son bureau. Il a répondu avec son cœur, tout cool, tout passe, rien n'est de mer. Restez ensemble et scotchés par rapport au programme de notre chaîne Congoli Panda. Ciao. Congoli Panda. Oh, Congoli Panda. Congoli Panda. Ah. Congoli Panda. Si tu es pas la mouka, Congo. Chuki azili kanisi ya malamu pona kosepelisa bana mboka Congo. Congo li panda asalili bango. Congo li panda ningali pona kuyeba historia Congo landa Congo li.